Secrétaire départemental du PC, Vincent Bouget a été choisi par son parti pour réunir la gauche en vue des municipales nîmoises. Cet enseignant de 40 ans veut rassembler, de la France insoumise au Parti socialiste en passant par les écologistes. 25 ans après l'élection d'un communiste au fauteuil de maire, il espère bâtir un programme commun autour des valeurs de solidarité, de citoyenneté et d'écologie. Personne à gauche peut prétendre être hégémonique. Donc il faudra que ça soit discuté entre les organisations politiques, avec les citoyens. Mais je crois qu'il faut d'abord discuter du projet, puis d'une équipe. Parce que si on veut gérer autrement, on ne va pas redonner tous les pouvoirs à quelqu'un qui sera un sauveur suprême. Je ne crois pas du tout. L'objectif, c'est de proposer de mettre en place un nouveau projet pour les Nîmois. Mais la condition, en tout cas une des conditions, c'est de rassembler tout le monde et dès le premier tour. En droite ligne avec l'action menée par la municipalité Clary entre 1995 et 2001, les communistes veulent réintégrer les quartiers oubliés selon eux depuis 18 ans par le maire Jean-Paul Fournier. La mobilité, la place du vélo mais aussi la gouvernance avec l'agglo font partie des propositions mises sur la table. Une base de travail qui sera discutée dans les prochaines semaines avec les autres forces de gauche.